Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble, pour la première fois pour moi, le beurre de noix de cajou. D'ailleurs, c'est la première fois pour moi pour un beurre de fruits secs tout court, hein, puisque j'ai jamais fait ça de ma vie. Et vu que là, j'ai eu très récemment ce nouveau petit robot Silvercrest qui m'est très utile, je vais pouvoir enfin essayer. Donc c'est parti. J'ai au préalable fait griller mes noix de cajou. C'est des noix de cajou sans sel que j'ai achetées. Donc là, j'utilise 200 grammes environ. Ça dépend de la quantité que vous voulez, bien sûr. Et je rajouterai quand même un petit peu de sel parce que moi, j'aime bien cette petite note. Mais bien sûr, le sel, c'est pas obligé. Pour réussir cette recette, il vous faut quand même un appareil avec des lames en S, comme ceci. Donc, je commence par verser mes noix de cajou. Ça en fout partout, c'est bien. Et là, si j'ai bien compris, il va falloir prendre son temps et aller doucement, faire des pauses régulièrement pour éviter que le moteur chauffe. Donc là, la première étape, c'est obtenir une poudre. Je vous montre. Voilà. Ensuite, cette poudre va finir par se coller aux parois. Et là, il va falloir rabattre un peu le tout à chaque fois pour éviter que les lames tournent dans le vide. Donc voilà, c'est ce dont je vous parlais. Hop, vous venez rabattre comme ceci. Ah voilà, vous voyez, ça commence à former une pâte. Bon, c'est une recette où il faut être patient apparemment pour éviter de bousiller son matériel et y aller doucement. Au bout d'un moment, vous voyez, ça commence à faire des petites amalgames comme ça. Donc c'est sur la bonne voie, faut continuer tout doucement. Je prends mon temps, j'y vais tranquille. Et je fais des pauses régulièrement, surtout pour éviter que ça bousille mon appareil. Je secoue un petit peu en fait pour décoller de paroi la pâte pour que je puisse ensuite mieux la mixer. Et là vous pouvez voir que le beurre commence à se former. On en a terminé. Après plusieurs arrêts, histoire que le moteur refroidisse, j'ai réussi. Donc voilà le résultat. Ça sent super bon. C'est hyper bon. Et ça, c'est bourré de vitamines, de bons lipides et plein de protéines. Donc juste parfait pour une collation ou pour le petit déjeuner. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.